Fréquence Paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Reolink E1, ou E1, comme on dit, bon François. Alors, c'est une petite caméra, c'est le premier prix que j'ai trouvé. C'est comme ça, la boîte m'a contacté. Est-ce que ça vous intéresse de tester ça? Alors, j'ai dit oui. Par contre, je ne vais pas trop rentrer dans les specs de l'APK ni du logiciel, parce que je vais te perdre. Sinon, il y a beaucoup de trucs. Tu peux faire énormément de choses avec ça. Même si c'est en entrée de gamme, ça fonctionne. Par contre, il n'y aura pas de suivi d'objets. Regarde. Bon, elle n'est pas connectée en même temps. Elle n'est pas branchée. Hein. Voilà, pas de fil. Mais bon, c'est pour te dire qu'il n'y aura pas de suivi d'objet. Voilà. Ce sera à toi de changer. Il y a les motorisés, bien sûr, mais ce sera à toi de changer. Après, pour ce prix-là, tu verras, à la fin, tu ne peux pas tout avoir non plus. Ok, on fait un petit tour du design pour commencer. On retrouve bien un capteur de 3 millions de pixels, oui. Des LED infrarouges qui sont cachés derrière. Alors, sur une distance de 10 mètres, c'est donné par l'entreprise, comme à peu près toutes les autres. Donc, ça fonctionne, c'est pas un souci. Tu retrouves une entrée son. Oui, une entrée son qui est correcte. C'est en mono. Et une sortie son HP. Donc, tu pourras utiliser ton application pour parler directement à la personne qui est en face de la caméra. Tu l'entendras, ce sera correct, voilà, c'est du simple et efficace. Tu retrouves aussi une détection de mouvement sur le haut, bien, donc ça se déclenche dès que quelqu'un passe, un animal ou quelque chose, tu pourras régler l'intensité, donc ça prend vraiment bien, un chat qui passe, ça va capter, c'est pas un souci. Tu retrouves aussi l'accès à la carte SD, donc si tu veux pas prendre le cloud, tu mets une carte SD de 128, ou moins, c'est pas un souci, c'est pas une grosse capture vidéo, hein, ça reste de la HD, et tu auras donc accès à toutes les vidéos que ça a capturées. Surtout un bouton reset au cas où tu as un problème, ou si tu changes la caméra d'endroit. Donc tu pourras te remettre sur un autre Wi-Fi, etc. Sur le dessous, tu retrouves de quoi avoir des pads pour le poser sur une table. Ça bouge pas, c'est des pads en silicone. Tu retrouves un clips aussi qui sera dans la boîte pour l'attacher, et puis voilà. Sur l'arrière, tu retrouves aussi une connectique, alors pas USB cette fois, contrairement à la EasyVis, donc tu pourras pas la déplacer, la mettre sur Powerbank, mais tu retrouves une connectique toute bête secteur, quoi. On retrouve la marque Reolink juste en dessous, elle est motorisée bien sûr, pas automatique, je te le répète, mais elle est motorisée, donc tu pourras choisir l'angle, il n'y a pas de souci. On est sur un poids de 194 grammes, ce sera bien, et les dimensions, tu l'auras vu sur le plan. Dans la boîte, on retrouve un chargeur FR 5 volts 1 ampère, tu vois, c'est dommage, on aurait pu avoir du USB, mais bon, ok. C'est un câble qui mesure environ 3 mètres de long, donc tu seras tranquille, tu pourras le mettre au plafond. Il faudra juste cacher le câble, parce que tout de suite, ça fait un peu... tu vois. Tu retrouves aussi 3 stickers pour l'aide au perçage, ouais, comme sur les autres, c'est un peu... tu peux t'aider du sticker, si tu le colles, tu fais tes trous. Les trous sont bien, là. C'est nickel, et tu décolles le truc et tu mets ta caméra. Tu peux aussi le faire juste avec un crayon papier et l'adaptateur, hein. Je dis ça comme ça, on ne sait jamais. Ok, donc les aides au perçage, bon c'est toujours ça, ça ne mange pas de pain, ça y est. Tu retrouves un quick start guide, alors vraiment quick, c'est comme les autres aussi. En fait, ça va te donner les bases pour te connecter ta caméra, etc. Mais ça ne va pas te donner plus. Donc il faudra aller directement sur le site de la marque si tu veux en apprendre plus, ou passer directement sur l'application qui est que en anglais. Je sais, ça aussi, ça pose problème. Donc c'est que en anglais, c'est l'anglais simple, je te le répète aussi, mais ça fonctionne. Tu retrouves une fixation mur. Bien, juste un petit truc en plastique, tout, oh, ça fait le jeu, hein, c'est pas un souci. Et plafond, voilà, donc comme ça tu pourras la mettre un peu comme tu sens. Au niveau des specs, on retrouve un capteur f2.4, ça va, ça prend bien, bah, c'est limite bien sûr, mais comme je te dis, c'est infrarouge, donc même si c'est de basse lumière, ça passera directement en infrarouge, ou tu peux le laisser directement en infrarouge ou directement en couleur, enfin bref, tu fais comme tu veux, vaut mieux le laisser en automatique, elle gère très bien, c'est pas un souci, dès que c'est un peu basse lumière, ça fonctionne. Donc on retrouve bien un capteur de 3 millions de pixels, qui te donne une résolution de 2304 sur 1296 pixels, voilà, avec un FOV de 82 degrés en horizontal et 43 degrés en vertical. Voilà, si ça peut t'aider, c'est cool. Donc une petite caméra sport tranquille, quoi. Elle est rotative à l'horizontale sur 355 degrés et verticale sur 50 degrés. Ok, mais c'est déjà bien. Franchement, quand tu verras le prix, ça peut faire l'affaire juste pour commencer, je pense. Donc on trouve bien des LED infrarouges, c'est cool, il y en a 8. Niveau audio, elle dispose bien d'un HP sur l'arrière, d'un micro. Donc tu peux parler au mec qui est en face et lui peut te parler et tu entends. Alors après, évidemment, s'il fait semblant de particulier, il va falloir que tu te déplaces et ça ne va pas être la même limonade, mon gars. Mais bon. Tu peux jouer au cowboy, c'est pas un souci. Essaye, copain, essaye. Donc l'application, tu peux la retrouver sur Android, Apple, Mac et PC. Alors ça, ce sera plus les logiciels. En anglais aussi. Alors ça fait un peu cours de techno de troisième aussi, hein. C'est vraiment du logiciel très basique, je t'en montrerai, je te ferai passer un passage comme ça, c'est basique, mais ça fonctionne, voilà, on passe plein non plus, oh, ça va, mais c'est vrai qu'en français ça aurait été un plus quand même, hein, Reolink. Dans les petits plus, j'ai aussi le taux d'humidité pour le fonctionnement, alors ça ils sont très peu à le faire, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est les données entreprises. Alors humidité c'est compté entre 20% et 85%, alors c'est pas waterproof, mais tu vois elle accepte quand même du 85%, donc si tu le mets dans une grange ou quelque chose, ça peut être jouable. Dans une grange c'est rare que ce soit humide.
Alors, au niveau des applications du logiciel, je ne vais pas en parler plus que ça. C'est comme les autres. Ça reste en anglais, c'est très délicat, ça fonctionne tout parfaitement bien. Tu peux enregistrer le flux directement sur ton téléphone, c'est un fichier MP4. Ok, sur la carte SD, ce sera encrypté. Donc, tu auras accès directement, tu verras un peu ce qui s'est passé. Tu auras les notifications qui vont arriver. Donc, si tu es connecté en 4G et en Wi-Fi, donc ta caméra en Wi-Fi et toi en 4G à perpète les oies, ça marchera, tu auras une notification. Bon, maintenant, on va parler un peu du cloud, parce que le cloud, c'est rigolo. Alors, chez Rolink, tu as quand même de la gratuité. Le mot un peu là, comme ça que j'ai du mal à dire, parce que c'est rare, tu as de la gratuité. En fait, tu as 7 jours disponibles, donc juste pour une caméra enregistrée, tu auras 1 giga de stockage et ça garde les fichiers 7 jours. Voilà, mais ça, ce sera tout le temps. Si tu veux utiliser le cloud, tu peux. Je te le rappelle, tu n'es pas obligé. Tu peux utiliser la carte SD qui est dedans. Voilà, je te préfère te le répéter. En version standard, tu as droit à 30 jours de stockage des données et tu as le droit à 10 gigas et de brancher 5 caméras. Donc ça aussi, ça peut valoir le coup si tu es un peu plus professionnel pour mettre dans une boutique ou autre. Oui, ça peut le faire effectivement. En premium, tu as le droit à 30 jours. Pareil, tu vas me dire, ouais, alors c'est quoi la différence? Ben là, tu peux mettre jusqu'à 10 caméras. Donc là, c'est vraiment si tu as un gros hangar. Là, ça peut le faire et ça garde 50 gigas de stockage sur les 30 jours. Voilà. En version business, tu as 60 jours de stockage, ça va jusqu'à 30 caméras d'enregistrer. Ouais, ça aussi, ça peut être pas mal. Et 100 gigas de stockage. Donc, autant te dire que tu es relativement peinard. Et puis surtout, là, tu vas pouvoir faire un remake de Love Story avec 30 caméras, je pense que tu es tranquille. Surtout si tu prends les modèles qui bougent toutes seules, ça peut le faire, je pense. Ok, donc là, on va se laisser avec les samples. Donc, tu verras, il y a le son, jour, nuit. J'ai fait un peu tout ce que je pouvais. C'est une petite caméra. J'ai enregistré ça directement du téléphone en MP4. Et bon, bah, au moins, tu auras une idée de ce que ça donne. Allez, je te laisse là. On se retrouve après pour les plus, les moins. Et là, on se fait un petit sample, donc juste pour tester le son avec de la grosse lumière. Bon, elles sont surtout derrière. J'en ai une à l'avant. Avec un peu de lumière, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est juste pour te faire un test de son, voir ce que tu peux faire avec ça. Bien sûr, tu ne travailleras pas avec, hein, faut pas déconner. Mais pour entendre un nom, un pseudo, un surnom, le mec qui te vole, qui s'appelle GG, tu vois, que tu connais bien, qui est au troquet du coin, bah tu peux aller l'alpaguer, lui mettre un coup de tête, un chassé dans le genou et peut-être une descente du coude. Dans l'éventualité où c'est ce GG-là, ne te trompe pas. Voilà, donc juste un petit sample de son comme ça. Allez, ciao. Ok, alors maintenant on va parler des plus, les moins. Alors les plus, j'ai marqué simple, efficace. Oui, mine de rien, c'est simple, efficace, mais il faudra quand même que tu apprennes un peu quelques mots en anglais, parce que c'est vraiment full English. J'essaierai de te trouver en PDF si j'y arrive dans la description, je te mettrai la notice en français. J'ai un peu du mal parce qu'en fait ça va être un peu délicat, mais si j'arrive à t'en trouver une, je te la mettrai sans problème. J'ai aussi noté dans les plus, pas d'obligation de payer pour avoir une petite place sur le cloud. Tu as le droit à donc 1 giga de stockage, tu as le droit à enregistrer ta caméra si tu en as qu'une, et tu as le droit aux 7 jours. Donc c'est vrai que ça c'est chouette, tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent, tu peux utiliser la carte SD et une petite place sur le cloud. Bon, alors avec une caméra comme ça, franchement 1 giga ça suffit amplement. C'est vraiment de la HD, et bon, très limité, la compression est là. Tu le sens bien, c'est de l'entrée de gamme. Bon, voilà, ça, je te l'ai suffisamment dit, tu le sais. Les moteurs qui ne sont pas bruyants aussi, pour moi, c'est dans les plus. Faudra voir sur une année ce que ça donne, mais là, le plastique ne craque pas, tout, c'est propre. Donc, pour le prix, ouais, rien à dire. C'est vrai qu'on aurait préféré un suivi automatique, mais bon, tout de suite, tu as vu, la EasyVis, c'était tout de suite 59€, je crois, dans mes souvenirs. C'est autre chose. Mais ouais, c'est vrai que le suivi automatique fonctionnait parfaitement. J'ai marqué ici dans les plus, elle n'est pas waterproof. Mais c'est pas un plus, ça. Oui. Elle n'est pas waterproof, mais tu as quand même le taux d'humidité qui est donné par l'entreprise. Donc ça va de 25 à 85% ou 80%. Ce qui fait que cette caméra-là, elle est possible de l'installer dans un garage, dans un hangar, dans quelque chose qui n'est pas isolé. Et j'ai trouvé ça chouette, tu sais, la brume du matin ou autre, normalement, en théorie. Sûrement, je n'ai pas essayé, mais en théorie, ça devrait passer. Je n'ai pas essayé, je suis désolé, je n'ai pas de hangar. Maintenant, dans les moins, alors j'ai marqué le système d'alarme. Effectivement, tu as un système d'alarme, comme sur toutes les autres caméras que je t'ai pas fait écouter parce que ça te casse la tête. Mais alors là, tu en as un, mais c'est cheap. Hein. Ça sonne d'une façon cheap. Tu as l'impression que c'est un vieux Nokia 3310. Tu vois ce que je veux dire. C'est, bon, au moins, il y est, mais là, le mec, le cambrioleur, il va rire et peut-être pisser sur ta caméra. J'en sais rien, mais c'est vraiment fandard. Mais ouais, bon, voilà, au moins, tu le sais, il y a un système d'alarme. 3310, Nokia, ouais, je sais. Bon, c'est peut-être eux qui l'ont fait, remarque, je sais pas ça. Donc dans les moins, j'ai marqué aussi, c'est problématique, oui et non, parce que pour le prix, tu peux pas t'attendre à plus, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu un petit suivi de mouvement. Ça aurait été cool, comme sur l'autre que je t'ai présenté, la EasyVis, qui est un peu plus cher, voilà. Donc c'est ça qui est en moins, la qualité un peu moins, des trucs comme ça. Ça fait le jeu, mais... Ah, je sais pas, juste ce petit module, ça ne va pas coûter une blinde, ça aurait été sympa de le pousser le truc jusque-là, mais bon. Donc là, de toute façon, Rolink, je m'inquiète pas, il y a d'autres modèles qui sont avec des prix au-dessus, où ils, qui vont t'offrir ça. Donc voilà, ce sera à toi de voir ce que tu veux. Ce sera tout pour moi dans les moins, le produit fonctionne, tu en as pour ton argent,
Ouais, c'est vrai, mais alors après, si tu veux dépenser un peu plus, bah, il y a d'autres modèles que je t'ai présentés qui sont un peu plus intéressants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Où trouver la caméra? Bah écoute, tu peux la trouver sur Amazon, je te mettrai un lien dans la description, bien sûr, et tu peux la trouver directement sur le site Reolink. Alors, sur le site, elle est au prix de 39,99 €, donc ça sera à toi de te faire une idée si ça les vaut ou pas. Oh, je pense que tu peux pas avoir beaucoup mieux pour ce prix-là, j'en sais rien. C'est vrai que les caméras de sécurité, je découvre encore un peu. Elle fonctionne, elle t'offre ce qu'il faut. Bon, à voir. Donc tu la trouves là et elle est livrée directement d'Angleterre ou d'Allemagne. Ça s'écrit en tout petit au moment de la livraison. Donc c'est pas livré de Chine, c'est livré d'Angleterre ou d'Allemagne. Donc il te faudra compter 4-5 jours, je pense, de livraison. Et puis ce sera tout. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et les vidéos de caméras de sécurité, je vais peut-être garder que la marque EasyVise. Voilà. Après, tu comprendras ce que tu comprendras. Allez, ciao!